Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. En ce matin encore, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et saintes du ciel. Éternel Dieu des armées, en ce dernier jour de la semaine encore, tu nous donnes encore de pouvoir nous tenir debout. Tu nous donnes encore de pouvoir aller à ta rencontre, de pouvoir encore aller nous confier en toi. Tu nous donnes encore de pouvoir aller nous abandonner, nous prosterner à tes pieds, pour te confier et te consacrer ce que nous sommes. Te consacrer, Seigneur, nos maisons, nos familles, nos enfants. Par les mains de Marie, te consacrer nos pensées. Te consacrer, Seigneur, cette semaine qui se donne encore à chacun de nous par ta grâce à toi. Te confier encore, éternel Dieu des armées, ce que nous aurons à faire, mais par toi que nous puissions poser les bons actes, que nous puissions avoir les bons mots pour le prochain. Certainement, certains d'entre vous sont en train d'aller à la messe pour encore aller se communier, pour aller du moins communier au corps et boire au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et durant cette messe aussi, que nous puissions nous abandonner totalement, tels que nous sommes. Aller déposer tout ce qui a été lourdeur, tout ce qui a été fardeau de cette semaine-là qui s'achève. Tout ce qui a été mauvaise pensée, mauvaise convoitise, que nous puissions aller tout déposer à l'autel au pied de Jésus-Christ par les mains de Marie. Mais par les mains de Marie également, qu'elle puisse encore aller présenter cette semaine à venir. Qu'elle puisse encore présenter tout un chacun de nous à son Fils. Qu'elle puisse encore aller présenter nos maisons, présenter nos foyers, présenter nos enfants, présenter tous les domaines et compartiments de nos vies, afin que l'Éternel Dieu, son Fils, le divin Créateur, vienne encore nous remplir de sa douce présence. Vienne encore alléger cette présence que lui-même a prise sous son aile, sous son contrôle. Éternel, vers toi j'élève mon âme. Jésus-Christ, en toi je me confie. Éternel, vers toi j'élève. Éternel, c'est à toi seul que j'adresse mes prières et mes supplications. Ne sois pas sourd à ma voix, écoute-moi, sinon je serai comme celui qui demande dans le vide. Oui, Seigneur, ne sois pas sourd à mes supplications. Ne sois pas sourd à la prière que je t'adresse en ce matin. Ne sois pas sourd au cri que je lève vers toi en ce matin. Je ne veux pas être comme cette personne-là qui demande dans le vide. Je ne veux pas, éternel Dieu des armées, que tu sois sourd. Que tu sois sourd, Seigneur, à ce que je viens te présenter par les mains de la bienheureuse Vierge Marie. Je ne veux pas, éternel Dieu, que tu te détournes de moi. Je ne veux pas, Seigneur, que tu me caches ta lumière. Car j'ai besoin de toi. Alors, éternel Dieu, entends ma voix. Entends ma voix, éternel Dieu. Entends la voix de cette âme qui s'élève vers ton trône. Entends ce cœur qui crie à toi en ce matin.
Entends ce cœur qui soupire à toi. En te disant, Seigneur, ne sois pas sourd à mes supplications. Ne sois pas sourd à mon cri. Ne sois pas sourd à ce que je viens te demander, à ce que je viens te donner, à ce que je viens te présenter. Parce que c'est en toi que je me confie, Seigneur. C'est en toi que je trouve mon réconfort. C'est en toi, Seigneur, que je trouve la consolation dont j'ai besoin. Alors, Seigneur, écoute, écoute ma prière. Je me confie, Éternel, vers toi j'élève mon âme. Jésus-Christ, en toi je me confie. Éternel, c'est à toi seul que j'adresse mes prières et mes supplication. Ne sois pas sourd à ma voix. Écoute-moi, sinon je serai comme celui qui demande en le vide. Oui, Seigneur, écoute-moi. Écoute-moi et entends ma prière s'élever vers toi en ce matin par les mains de Marie. Alors, bien-aimé de Dieu, dans ce élan de grâce et de plénitude, sur le chemin de l'Église, continuons encore à adresser tes prières à Dieu. Et à toi qui es couché, te disant que tu ne peux pas aller à l'Église, de là où tu es, au fond de toi, dis tout simplement, Seigneur, donne-moi de pouvoir manger à ton corps et boire à ton sang, pour que je puisse encore reprendre le chemin de ta maison, le chemin de ton Église. Alors, dans cet élan, continuons encore à adresser nos prières à Dieu par les mains de Marie en ce dimanche. Et que sous sa protection maternelle, qu'elle puisse encore les présenter cette semaine à son Fils. Présenter les heures, les secondes, les minutes de cette semaine et tout ce que nous aurons à faire. Afin que l'atmosphère et l'environnement des lieux dans lesquels nous serons nous soient favorables. Que la parole de Dieu encore puisse trouver son accomplissement en chacun de nous tout au long de cette semaine. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.